Alors bonjour à tous, c'est Rico Chris et on se retrouve aujourd'hui pour ce let's play de Star Wars, le pouvoir de la force. Alors je suis déçu parce que je viens de découvrir que je n'ai pas le mode de difficulté le plus élevé. Il n'est pas débloqué de base. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Je vous avais promis ce let's play, donc on va le faire. Mais ce ne sera pas dans la difficulté le plus élevée malheureusement. Par contre nous allons essayer de faire le jeu avec tous les holocrons. Donc j'ai une solution à côté de moi. Voilà. Bon, je ferai sûrement des vidéos mission par mission. Tant pis. Et voilà. Et donc, c'est de cette intro. Je vais vérifier par contre qu'il y a quand même son mode de difficulté normale. Bloquerai la difficulté au-dessus. Alors, désolé, hein, je viens de le découvrir. Hein, j'avais commencé la vidéo, je voulais le lancer, et puis boum quoi. Donc j'ai dû faire une petite coupure. Voir de la force. Tac. Police force, mais j'ai jamais demandé police force. J'ai dit pouvoir de la force, putain. Moteur de recherche à la con sur JVC. Je vous jure. Star Wars, ça va être un peu plus long. Bah au moins vous aurez une vidéo un peu plus un peu plus longue. Je suis désolé, hein, franchement, mais je m'y attendais pas. Mais vraiment, vraiment pas. Alors, pouvoir de la force. Ah, il y a des cheat codes. Ouais bon, on peut pas sauvegarder apparemment. Ah, difficulté 6 master. Parfait. Terminer le jeu une fois. Bah écoutez, je suis désolé, je vais le faire en normal. Tant pis, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah ça me. Ah ça m'énerve. Je ne vous le cache pas. Ça m'énerve. Ah, mais oui, si ça désactive les sauvegardes, parce qu'il y a un code pour débloquer le mode maître site, mais si ça bloque le mot de passe, ça ne sert à rien. Je vais voir sauvegarder malgré les codes. J'ai pas très envie de le faire en off. Enfin, quoique peut-être. Peut-être. Alors ça prendra plus de temps pour que je le fasse. Écoutez. On va faire cette première mission ensemble. J'ai quand même lancé la capture. Oui, la première mission. Qui est une des meilleures. Et je vais réfléchir au cours de la journée. Puisque de toute façon je peux vous faire que cette première partie. Allez, Star Wars, le pouvoir de la force. On va le faire. En guerrier. Fif. Et pas 7. 5. Pour cette blague de merde, pouce rouge et abonnement.
croiseur interstellaire. Qui peut bien être dans ce vaisseau? Je pense. Cette première mission était incroyable à l'époque. Planète que nous connaissons bien pour quand nous avons fait Star Wars Jedi Fallen Order. Pour le petit Wookiee de Kashyyyk, et voilà Lord Vader. Bon, je crois que là il y a péremption, je peux parler un peu plus ouvertement de la fin de Fallen Order. Si c'est pas le cas, passez la vidéo de quelques minutes. Mais l'arrivée de Vador à la fin de Fallen Order, putain, cette claque qu'on se prend, parce qu'en plus il est caché dans de la brume et d'un coup on entend sa respiration caractéristique. Seigneur Vador, ah, ça fait flipper sa mère. Nous sommes tombés dans une embuscade à notre arrivée, mais j'ai la situation bien en... Je n'ai que faire de vos problèmes de stratégie, commandant. J'ai moi-même une mission à remplir. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les voix anglaises. Ça c'est dommage. Et le jeu reste beau sur Xbox One X, hein, mine de rien. Regardez-moi ces mouvements de cap. Ah oui. Par contre, ici, on peut pas bouger quand on se protège. C'est un peu... Et le Wookiee qui bug à côté. Ah, y'a Vador, qu'est-ce que... Vous voyez ça, la différence de Fallen Order? C'est génial. C'est un autre style, hein, c'est vraiment de l'action pure. Et quel plaisir de jouer avec le seigneur Vador. Merde. Voilà. Hop là. J'avais oublié à quel point ce jeu était bon. Je le savais, mais y rejouer, c'est... Voir ailleurs si je suis Wookiee. Est-ce que je peux attraper l'alien? Bah non. Je ne suis pas le Joker. Cal Kestis. Pas de problème, on a que des solutions. Alors... En plus, on a des cookies. Donc moi, je vous fais cette vidéo le lendemain de d'avoir fini, enfin, le lendemain, quelques heures après avoir fini. Il le fait automatiquement, lui. Jedi Starfighter. Oui, je suis chaud en Star Wars avec le Fallen Order. Voilà, c'est le tuto, hein, c'est pas le niveau le plus compliqué. Quoique, en guerrier Sith, le boss n'est pas des plus faciles. Hein.
Strike. Allez, ça c'est un plaisir à faire quoi. On sent la puissance de Vador. Rien. Voilà Cal Kestis. Mais il a osé toucher le seigneur Vador. Regardez-moi cette classe. Oh là 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 là. Je lui mets un 300 milliards sur Kylo Ren. Oh. Regardez-moi ça avec un petit peu de destruction de décor. Aïe. Je sais qu'il y a moyen de les étrangler, mais je sais plus comment. Ah voilà, c'est Y pour attraper. Je vais vous montrer ça. Imbécile de chasseur. Je suis le meilleur pilote. Votre manque de foi me consterne. Si vous trouvez dans quel film c'est, dans les commentaires. Un indice. Ah, regardez l'écran. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Votre manque de foi me consterne. Vador, lâchez-le. Prise. Premier Star Wars qui a des défauts dans la logique. Hein. Même si on arrive toujours un petit peu à retomber sur nos pattes. Parce que dans l'épisode 4, le grand Moff est au-dessus de Vador. Alors que Vador est juste en dessous de l'Empereur, donc ça ne pourrait pas être le cas. Après on peut justifier ça en mode, oui, le grand Moff Tarkin est responsable de l'étoile noire. Faudrait que je me rappelle, j'ai vu qu'une seule fois les Star Wars en VO. Je vais peut-être me les refaire vu que, comme je dis, je dois tout me refaire. Donc, peut-être me faire une petite journée Star Wars. Et voir le nom de l'anglais de l'étoile noire. Parce que si c'est aussi Death Star, je crois que c'est le nom du 4, pas du 6. Chez vous. Dégagez. Regardez-moi cette violence comparée aux poussées de force de l'apprenti. C'est de la gnognotte, l'apprenti. L'apprenti. Cal Kestis. Quand j'ai les réflexes. Justement de Cal Kestis pour tout ce qui est préhension, vu que en fait sur la gâchette droite c'est l'appréhension, alors que sur la gauche c'est la protection, alors que dans le Jedi Fallen Order la gâchette gauche ça nous permet d'avoir l'appréhension et la gâchette droite le pousser. Donc évidemment c'est un petit coup que je dois prendre parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette première mission. Ton déguisement ne peut pas me tromper, Jedi. Jedi. Je le balance tout en haut. Il retombe comme une crêpe. Du.
vraiment que je reprenne la jouabilité, mais bon, ça. Je pense que. Allez. Voilà. Yahoo! J'adore faire ça. Yahoo! Ah, j'ai pas réussi. Oh oh. Moi aussi, je sais faire ça. Yahoo! Vous voyez qu'on a plus la jouabilité en main, c'est pas très simple. Yahoo! Merde, j'ai raté le QTE. J'étais occupé à faire autre chose. Faut que je fasse attention à ça. Donc il y a bien des QTE. Faut que je s'appuie ou. Ton esprit. Tu as tué mon maître il y a des années. Et maintenant, tu vas connaître le même sort. Un fils. Cours ! Oh, c'est musique. Seigneur Vador. Non. Ils auraient dû lui faire dire ça. Son légendaire, non. Viens avec moi. Il va en arriver d'autres. Tu étais faible quand je t'ai trouvé. Mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Vos espions ont localisé un Jedi? Oui, maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et apporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Ne révèle pas ton existence à l'Empereur. Ne laisse aucun témoin. Tue tout le monde à bord, les impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez, mon maître. Voilà déjà qu'il a un état d'âme. Un site. Ah d'abord, dans la première mission, je peux tuer les Stormtroopers. Hein. Tiens, maître cannabis. Très beau duel. Proxy, je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait des années que je n'avais pas fait ce programme d'entraînement. Je le croyais effacé. Ah, en utilisant un vieux module d'entraînement, je pensais profiter de l'effet de surprise pour enfin toucher. Mais j'ai encore échoué, désolé. Je sais que tu rêves, Sera. Oui, mais fais-moi plaisir. Évite les embuscades. Proxy ? Ah oui, votre nouveau pilote est enfin arrivé, maître. J'accède aux archives impériales. Capitaine Juno Eclipse, née sur Corulag où elle est devenue le plus jeune élément jamais accepté à l'Académie impériale. Pilote de combat décoré avec plus de 100 missions à son actif, elle a dirigé les opérations de bombardement de Kalos.
Le seigneur Vador l'a placée à la tête de son escadron Noir 5, puis elle a été affectée à une mission top secrète. Est-ce qu'il y a aussi un profil psychologique ? Non, mais t'as un plus gros décolleté que lui. Mais l'accès est interdit. Oh, maître, ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera impossible de la reprogrammer. Tu sais pourquoi tu es ici ? Oui, mes ordres sont clairs. Je dois veiller au bon fonctionnement du vaisseau et vous conduire là où vos missions l'exigent. Vador t'a dit qu'il avait tué notre dernier pilote ? Non. Mais je suppose que s'il l'a tué, c'est qu'il avait sûrement une excellente raison. Ça va aller. Tant mieux, j'en ai assez de toujours former des pilotes. Qu'as-tu fait à mon vaisseau ? J'ai pris la liberté d'améliorer la batterie de senseurs du Rogue Shadow. Vous pourrez espionner tous les vaisseaux présents dans un système donné. Vous êtes un espion de Vador. La seule information que tu as besoin de connaître, c'est notre destination. En l'occurrence, nous devons nous rendre sur Nar Shaddaa. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Dommage, les voix. Ça aurait été tellement classe en anglais. En plus, je connais l'acteur. Je connais. Il a joué dans... je le disais ce matin, Battlestar Galactica. Ah, bon. Bienvenue à bord du Rogue Shadow, maître. Cette salle d'entraînement. On va s'arrêter là. Oui, oui. Ta gueule. Ta gueule. On va s'arrêter là. Je peux sauvegarder. Voilà. On verra bien. Pardon, j'ai encore tapé le micro. On verra bien ce que je fais pour la suite de ce let's play, ce que je ferai que dans cette version là. J'ai vraiment envie de le faire en maître 6, ça fait longtemps que je rêve. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Il y a de fortes chances que je le fasse une fois. Peut-être que ce let's play en mode hard viendra un peu plus longtemps. Sera un peu plus long à faire. Parce que si je le finis une fois, j'aurais peut-être pas envie de le refaire direct. Enfin, quoique j'aurai la jouabilité entre les mains. Je ne sais point. Parce que j'avais prévu de faire une mission par jour, donc si je commence à devoir le finir, ça risque de prendre un peu plus de temps. Enfin bref, c'était Rico Chris, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, salut salut, et que la force soit avec vous.